Du coup là on a un petit truc c'est juste si en fait on a déjà lancé le Q-learning je return euh, ou ce sera juste pour après en fait c'est un petit détail c'est pas important euh, Ouais donc du coup en fait j'avais mis plein de trucs ici mais ça sert à rien euh, sert de les laisser j'ai oublié de les enlever My bad donc en fait, c'est juste. Euh, J'ai préféré les mettre ici parce que, comme je vais appeler la fonction ici, vous voyez, euh, bah du coup, les, les, les variables, il va pas y avoir accès. Donc il me les mettre en fait dans la fonction. Après, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez les mettre en paramètres ici. Euh, comme ça, au moins, vous pouvez vraiment beaucoup plus bidouiller. Et dès que vous, vous créez des variables, vous voyez, ensuite ces vous les mettez en paramètres dans votre fichier ici. Et euh, vous serez euh, plus tranquille. Parce que là, sinon, il faut revenir dans la fonction et tout modifier. Bon, après, ça à vous de voir. Ok, donc là du coup, on a Epsilon euh, Episode Rewards. Donc, euh, c'est là où, en fait, on va stocker toutes les, les rewards en fait, de nos épisodes. Ça, c'est les, les récompenses euh, selon ce qu'a qu fait notre joueur. Euh, ça, c'est l'Epsilon. Ok, donc, euh, celui qui va déterminer si on va explorer ou exploiter. Ça, c'est pour réduire l'épisode. Le Learning Rate, voilà, donc c'est le taux d'apprentissage. Donc, c'est une valeur entre 0 et 1 qui indique en fait à quelle vitesse apprend notre, euh, notre Q-Learning. Donc, plus la valeur Learning Rate est élevée, plus l'apprend rapidement, mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée parce que ça peut converger sur des résultats qui sont pas intéressants. Et à l'inverse, si le learning rate est trop bas, bah, il peut en fait, bah, s'il si vaut zéro, bah, il apprend jamais quoi. Le gamma, c'est le, le discount factor, c'est en fait le facteur qui prend en compte la récompense, euh, la, la récompense. Donc, on est à l'instant t, et le gamma en fait va dire quelle va être l'importance de la, de, la, de la récompense à l'action t plus 1, de l'action t plus 1, vous voyez. Euh, donc, ça c'est voilà, c'est quelle est l'importance en fait de l'action future? Donc, si c'est 1, bah, ça veut dire que l'action future est très très importante. Si ça vaut 0, cest veut dire que l'action future n'est pas importante, vous voyez. Donc, là aussi, il faut gérer là-dessus. Euh, show false, en fait, c'est juste pour dire quand est-ce qu'on va, on va animer, en fait. Parce que le truc, c'est que si on anime, euh, si on fait animer à chaque fois euh, qu'il qu y a une action, étant donné qu'on va faire tourner beaucoup d'épisodes, euh, ça risque d'être super long, en fait. Ouais, donc, il y, y a des moments, c'est pas super intéressant. Donc, autant faire euh, un rendu en fait visuel tous les X épisodes quand vous voyez le Q-learning, c'est un peu plus à, à un après des choses. Voilà donc du coup là on lance notre simulation donc d'épisode donc un épisode c'est une simulation en fait euh, où la simulation bah en fait euh, ça va nous dire euh, c'est ouais c'est un certain nombre en fait d'actions qui va y avoir lieu et généralement la fin d'un épisode se termine soit après un certain nombre d'actions euh, maximum qu'on a terminé soit euh, ça se termine quand euh, notre agent est dans un état merdique en fait il faut kill du coup faut arrêter parce que il va pas pouvoir aller plus loin Ok. Euh, là ici ce qu'on va juste faire c'est en fait un certain nombre d'actions. On va dire ok tu fais 200 actions et ensuite t'arrêtes. Voilà. Donc c'est un épisode fini. Ouais, c'est un épisode fini parce que il a un certain nombre d'actions. On sait euh, à l'avance combien il va y avoir d'actions. Ok, donc là du coup on instancie nos classes. Donc on va mettre une couleur, comme j'ai dit. Euh, la couleur, donc du coup, vous voyez, moi j'ai mis un en paramètre colors qui est un dictionnaire. La size, vous voyez, comme j'avais dit, c'est la, la, la taille, euh, le, le step, ici, donc c'est le pas, donc vous voyez que ça va faire, euh, le, on va avancer en fait d'un quinzième de fenêtre, donc si la fenêtre fait 150, on va avancer de, de 10, du coup, vous voyez, et 15, 15, c'était quoi, déjà La lens la longueur, voilà, la taille, ok alors, ensuite, du coup, là, on a une saisie, une variable qui est « Episodes Rewards ». Donc, en fait, ça va être les récompenses de 7 épisodes. Oui, Les récompenses totales de 7 épisodes qu'on ajoutera ensuite dans notre liste « Eps Rewards okay ». Ok Ok. Alors, ensuite, du coup, tous les 20 épisodes, on affiche l'épisode et euh, le, la moyenne, en fait, des récompenses qu'il y a eu sur les 20 derniers épisodes. on oui, Donc, ça, c'est notre liste. Et, en fait, ça, c'est de moins 20... Euh, bah, là, en fait, c'est un index. En fait, c'est du, du slicing. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre les valeurs de de moins 20, donc euh, euh, comment vous dire ça, parce que là, c'est un peu imagé, c'est quoi, c'est que vous imaginez, il y a, je sais pas, 30 valeurs, et bah, on va partir en fait de la fin, et on va on va diminuer, 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 jusqu'à arriver euh, à la moins 20 e valeur, vous voyez, euh, ou la 20 e valeur, mais en partant de la droite, et euh, ensuite, on va remonter jusqu'à jusqu la fin, on va prendre toutes les valeurs, vous voyez, euh, donc, du coup, voilà, on prend une vingtaine de valeurs, quoi, euh, et on, a, on dit show, show, donc c'est à dire que tous les épisodes on va afficher, on va faire le rendu visuel, ou sinon bah, euh, on met false, en fait on, on fait rien et on affiche pas le, le rendu. Ok, euh, donc du coup, euh, si, si l'épisode euh, si le donc on prend l'épisode, en fait si on fait modulo 20, donc c'est à dire si on a le reste de la division euclidienne qui vaut 0. Et eh bah ben, du coup, on va euh, rendre en fait l'épisode entièrement. Donc les 200 actions action de notre épisode, on va les rendre. Ok, donc là ensuite, on a rewards, donc rewards 0. Donc pour chaque épisode, en fait, on, pour chaque euh, action, à ouais, chaque, chaque sous-partie, on va dire, d'un épisode, on va du coup initialiser à nouveau reward à 0 pour voir vraiment ce que chaque petite partie euh, rapporte en reward. Donc là, on a notre observation. Donc l'observation de l'environnement, donc l'état auquel il est. On discrétise ça, donc on transforme, en fait, voilà, euh, pour avoir euh, euh, des valeurs beaucoup plus catégoriques. Ensuite, comme je dis, ben bah là, on détermine si on va exploiter ou explorer notre QTable. Donc, si NP pour random, pour random, en fait, ça donne une valeur aléatoire entre 0 et 1. Donc, si c'est supérieur à epsilon, bah, du coup, on va exploiter, on va prendre en fait le on va prendre du coup l'action en fait qui donne le plus de récompenses selon l'action qu'elle on est. Donc ça se renvoie l'argument euh, qui a la plus grande valeur. vous voyez, donc comme je vous avais montré tout à l'heure, donc si euh, si c'est le deuxième argument, bah du coup on sait que ça va être euh, l'action 2 ou le choice 2, vous voyez. Euh, donc voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner et si c'est pas du coup plus grand que epsilon, si du coup euh, si du coup c'est pas plus grand, bah du coup on explore, vous voyez. Donc si euh, si epsilon par exemple est très proche de 1 ben bah, vous voyez qu'il y aura très peu de chance en fait que ce, ce nombre là soit plus grand qu'epsilon, donc du coup on va surtout euh, on va surtout exploiter ok donc du coup ça c'est bon et donc du coup bah, si on si on explore juste je vais reprendre okay. donc ouais si on a un epsilon qui est très grand, vous voyez, il y a peu de chances que du coup on exploite, vu que bah, bah l'épsilon est en fait est très proche de 1. Euh, en revanche, s'il si est faible, s'il vaut prendre 0,01, bah, il y a beaucoup plus de chances en fait que on, on exploite. Et donc du coup, bah, si euh, CNP pour un homme est plus petit qu'epsilon, bah, du coup on va explorer. Donc on va prendre euh, une action au hasard euh, parmi les quatre actions qu'on a. Ouais, donc si vous personnalisez vos actions, faites bien attention. Ah, ici mettre du coup euh, le nombre euh, le nombre possible d'actions là vous savez comment génère un integer entre 0 et 3 compris donc 0 1 2 3 ce qui correspond du coup bien à mes 4 actions possibles pareil ici j'ai une liste qui contient 4 valeurs donc qui reprend bien mes 4 actions si vous en avez 5 du coup il faut changer ça voilà. Alors ensuite on regarde du coup s'il y a une collision entre le joueur et l'ennemi. Donc c'est avec .collide. Donc c'est ce qu'on avait en fait euh, ici, vous voyez. Donc c'est grâce à une méthode en fait qui est possible grâce à l'objet rect, donc grâce à la classe rect de Pygame. Donc du coup ça permet de savoir s'il y a une collision entre les deux, donc si leurs coordonnées se touchent. C'est pour ça qu'en fait cette fonction ne sert... pas super utile. c'est, J'ai mis info, c'est pour si vous voulez en fait des informations, mais ce ne sera pas super utile en réalité. C'est juste voilà à titre indicatif. Donc a une collision entre l'ennemi et le joueur, ben on met une reward, donc ennemi penalty, comme j'ai dit, penalty, moi, ce sera des valeurs positives, donc du coup, je pense bien à mettre un moins avant. Si, en revanche, c'est une collision avec l'ennemi, ben on met cette récompense-là. Et sinon, si rien, ben tout simplement, on met le move penalty, en fait, voilà. Euh, du coup, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend euh, tu, 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 la, euh, la nouvelle observation, donc, comme j'ai dit, le Q-learning, ça prend en compte en fait l'action future. Donc, on fait d'abord euh, la nouvelle observation après avoir, euh, après avoir fait quelque chose. Vous voyez euh, Et ensuite, euh, ce qu'on va faire, c'est que on va euh, du coup obtenir, euh, on va discrétiser ça, on va récupérer à nouveau euh, la valeur, la plus grande valeur. Cette fois-ci, en fait, selon euh, l'état auquel on est, et euh, on obtient ou euh, on récupère aussi euh, la valeur en fait qu'on a actuellement selon l'état et l'action qu'on a prise. Ok, euh, du coup, là ensuite on, on fait quelques petits euh, changements et euh, on utilise aussi du coup la formule du Q-learning pour changer en fait la nouvelle, la, la, la nouvelle récompense en fait en prenant en, fait, en compte le futur. Oui. et du coup ça ensuite emmène met notre Q-table à jour pour euh, pour dire voilà les, les changements qu'il y a eu. Euh, ok, donc ça du coup c'est bon. Et euh, ensuite, euh, donc ça c'est très bien. Et euh, là du coup, euh, ce qu'on va faire c'est que euh, du coup on va voir ici if show. Euh, donc là c'est si on veut afficher. Vous voyez, euh, il me manque juste un truc, j'ai l'impression... Ouais, il me manque juste un truc, je vais le rajouter. C'est que du coup, euh... il n'y a pas, euh... pas d'action là, si j'ai bien compris. Ou peut-être que c'est après, attendez. Ok, donc c'est juste ici. Donc, on va penser à le, le mettre ici, j'ai juste oublié. Euh, où est-ce que je vais le mettre Je vais le mettre euh, ici, voilà. Euh, ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi ici ennemi euh, euh, et food et les faire ennemi euh, point move. Vous voyez, vous pouvez utiliser la méthode point move. Si x n'a pas de valeur y n'a pas de valeur, ça va juste les déplacer aléatoirement. Le voyez, donc vous pouvez les mettre si vous avez envie. Vous pouvez mettre ici, par exemple, ennemi point move. Vous voyez, et bah tout ça a fonctionné. C'est pas obligé. Là ça va rendre du coup un peu plus ça va animer un peu plus du coup votre environnement c'est comme vous voulez vous pouvez les mettre si vous avez envie il n'y a... a pas de souci. voilà donc du coup là au moins on est bon on sait du coup que euh, le, le joueur va jouer selon l'action qu'on lui donne selon l'action qu'on ouais, qu lui donne et euh, du coup hop j'ai dû le supprimer je sais pas pourquoi hier j'ai dû le supprimer parce que c'était un peu tard hier <laughs> j'ai pas dû faire attention quand j'ai vérifié mon code mais sinon il n'y a pas de souci ça fonctionne ok donc ensuite euh, du coup là comme j'ai dit si on a chaud donc c'est à dire si on a un épisode en fait euh, quand vous voyez euh, grâce à ça en fait voilà épisode modulo euh, modulo 20 ça renvoie la division avec les liens, voilà donc euh, hop on rend l'épisode donc on affiche euh, donc d'abord ce qu'on va faire c'est que on va faire window field donc en fait c'est à dire qu'on va euh, Comment dire On va actualiser, on va clear up, on va nettoyer en fait notre, euh, notre fenêtre. Et on va dire, ok, donc notre fenêtre, on efface tout ce qu'il y avait auparavant. Et on va mettre un fond. Vous voyez, qui va être un fond green, green, blue, qui va être un fond un peu vert, vous voyez. Euh, hop. Et donc du coup, ça va remplacer tout ce qu'il y avait auparavant. Ensuite, là, on pense à mettre ça, ce event.pygame. Tout ça, c'est pour dire en fait si on veut quitter la fenêtre, bah, hop, on peut la quitter. Ensuite, l'action, euh, le joueur joue. Alors, euh, là, je pas obligé du coup de le mettre vu que je l'ai je mis avant donc je vais l'enlever là euh, ensuite ce qu'on fait c'est que du coup on met un time point slip parce que comme ça au moins on va pouvoir voir en fait chaque action plutôt tranquillement parce que sinon euh, ça va aller super vite parce que il euh, y, a, y a aucun temps donc en fait ça va aller super vite ça va la vitesse en fait va dépendre de, de la capacité de votre ordinateur à faire tous les euh, à exécuter le script donc moi étant donné que ça y reste super vite je mets un time point slip, donc ça veut dire que y a dès qu'on arrive ici hop on arrête du coup, en, enfin on, on freeze, on met un peu en stand-by notre code pendant 0,1 seconde et ensuite on repart, on repart, on fait les instructions. Donc là on affiche l'ennemi, le food et euh, le player. Voilà. Euh, du coup ça c'est bon. Euh, du coup ça je pourrais le mettre... Euh, non je ne vais pas le mettre avant parce que euh, je veux que quand on ne fait pas le rendu ça aille le plus vite possible, ça fasse les calculs le plus rapidement possible. Et ensuite on met pygame.display.update pour, un display pour update, pour bien dire, et la fenêtre. Euh, j'ai mis à jour des trucs, pense à mettre à jour du coup le, le rendu de la fenêtre, voilà, et du coup bah, vous, pouvez, vous pouvez voir que si en fait on mettait pas ceci, le win.fill, bah ça veut dire qu'en fait à chaque fois on afficherait un nouveau ennemi, un nouveau food et un nouveau player, du coup bah on aurait plein plein de, bah, de players, de food et d'ennemis, donc du coup ça poserait problème, là au moins à chaque fois qu'on arrive, on efface tout et on recommence, voilà, on, on refait un tableau vide, on refait une fenêtre vide, Ok et donc du coup ensuite à la fin on ajoute les rewards euh, à notre épisode donc le reward de, 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 de cette partie oui voyez l'épisode de ouais, euh, cette petite partie et euh, si le reward en fait ah oui et du coup on peut en fait s'arrêter avant si le reward en fait est égal à food reward ou euh, enemy penalty ça veut dire qu'en fait on atteint vraiment l'état euh, un, un état critique on va dire donc c'est à dire qu'il a rencontré la bouffe, ou qu'il a rencontré l'ennemi, et donc là, on arrête, parce qu'on est dans un état, en fait, qui ne, bah, c'est rien d'aller plus loin, en fait, parce qu'il a atteint un truc qui est critique. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre, euh, c'est juste, voilà, c'est, si ça arrive, ça peut arriver, si ça spawn, parce que ça spawn aléatoirement. N'oubliez pas que ça spawn aléatoirement, donc, il peut arriver, il y a une chance que, bah, le, l'ennemi, euh, et le joueur spawn au même endroit, ou la bouffe et, et le... le, joueur spawn au même endroit. Donc là, au final, c'est pas super intéressant, cet épisode. Ok, donc une fois qu'on a ça, du coup, on ajoute à épilo... à Episode Rewards, la valeur du coup de, de cette variable en fait, donc du coup la, de notre épisode. Donc là on est sorti de la boucle, hein. on a fini l'épisode. Donc avant de recommencer un nouvel épisode, hop, on ajoute ça. On ajoute un notre épisode, à euh, notre liste en fait, qui continue Rewards. Et on diminue le epsilon. Là j'ai juste mis epsilon decay. Euh, J'aurais pu mettre l'autre aussi parce que j'en avais mis plusieurs, parce que j'avais testé plusieurs trucs en fait. Donc là vous pouvez en mettre un autre. Vous pouvez faire prendre epsilon decay euh, fois rigid par exemple si vous arrivez à un certain nombre, parce que bah, je sais pas. Après c'est à vous de tester. Euh, vous testez les valeurs, donc du coup là ça réduit Qu'on euh, peut voir, on, on prend Epsilon et on le multiplie par 0,9998 par, par Donc au début ça a pas trop diminué de valeur, mais après ça va Au fur et à mesure, après plusieurs milliers d'épisodes Ça va réduire euh, drastiquement Voilà, et ensuite une fois Qu'on a fini, donc euh, tous nos épisodes Donc là on sort à nouveau de la de cette première boucle Comme vous pouvez voir, et bah du coup On euh, On fait du coup la récompense Enfin, on va, on va du coup faire le Moving Average. Euh... Pourquoi j'ai mis Moving Average Ah, ça, c'est parce que je crois que c'est quand j'ai regardé le, le tutoriel de Sandex. Au final, j'ai... Ouais, ouais, bon, ça, ça va être du coup euh, plutôt pour voir, en fait, euh, combien, voilà, pour, pour pouvoir faire, du coup, euh, pour afficher ensuite les... Euh les récompenses euh, sur un certain nombre d'épisodes en fait. Donc qui a été fait d'ailleurs du coup avec, euh, avec np.convolve. Donc pour faire une représentation un peu différente. Ok, euh, donc ça là les vous n'êtes pas super obligé de le faire. Parce que ça je l'ai fait rapidement mais euh, au final c'était pas forcément utile. Mais là du coup après vous affichez du coup les valeurs en fait qui ont... Euh, les, les récompenses en fait qui ont été obtenues au fur et à mesure des, euh, des épisodes. Donc là j'en ai mis pas, mille, des, pas, pas mal des épisodes. J'en ai mis... Euh... Ah, épisode je l'ai mis en paramètre pour le coup. Et j'en ai mis... Où est-ce que je l'ai mis Épisode... Bah où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs C'est bizarre. Pourquoi ça fonctionne mon code ici Qu'est-ce qui poserait problème là non, parce que je l'ai testé le code, donc il devrait pas y avoir de problème. Pourquoi épisode ça fonctionne Ah oui, parce que j'importe tout. Donc du coup, en fait, il va m'importer l'épisode d'ici. Ouais, donc ça, ça peut poser un peu problème. Quoique non. Non, non, ça pose pas problème. Euh, parce que j'utilise épisode, ouais, ok. Donc l'épisode, je l'ai laissé là-bas. Donc l'épisode, j'en ai 30 000. Ok. Donc ça, ce sera plutôt à mettre ici, si vous voulez, un peu plus organisé. Ok, donc là du coup on a notre euh, fonction euh, principale. Euh, tu, tu, donc, vous voyez, donc là tout d'abord on a le Colors, donc qui va être les couleurs en fait pour nos différents personnages, la taille de notre fenêtre. Euh, ensuite là du coup on a euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir faire la taille de pour pouvoir, ouais, pour faire notre fenêtre d'une certaine taille donc il faut mettre un tuple donc moi ce sera carré 600 par 600 euh, là du coup j'avais fait une fonction update win mais au final c'est pas super utile parce que c'est surtout là en fait qu'on va update donc on peut directement le mettre directement on peut le mettre euh, ici vous voyez le pagame.display.update, display il a pas besoin de le mettre ailleurs donc ça aussi je vais euh, l'enlever hop je vais pas l'enlever je vais le mettre ici comme ça là en commentaire et donc du coup on a notre fonction principale avec un paramètre win, donc notre fenêtre, la taille et la couleur, donc run shoe, ensuite on fait du binning, donc là vous voyez sur 15, donc du coup je vais avoir en fait 15, 15 bacs, en gros, et on va, je vais répertorier toutes nos valeurs dans 15 bacs en fait différents, et, euh, et ça va être trié automatiquement dans, ça va choisir le bon bac en fait à chaque fois, grâce à NumPy en fait, vous n'aurez pas à faire les calculs, on crée notre Qtable, donc là mine de vous vous rendez compte qu'en fait on va avoir des bacs de... De, de 15 donc du coup vous pouvez voir que là ça va aller de euh, moins 15 à 15 euh, bah oui, parce que comme j'ai dit les valeurs sont peut-être négatives là donc faut en prendre compte même dans les bacs euh, donc ça va d'aller de moins 15 à 15 ici enfin de de moins 14 pendant à 14, moins 14 ici, donc vous pouvez voir que ça fait quand même pas mal de valeur, euh, ça fait, euh, ouais ça fait quand même pas mal de valeur, <laughs> ouais, ça fait pas mal de valeur, donc moi, moi ça se crée en deux secondes, hein, la Qtable, donc ça va, je vous conseille de mettre, de faire un dictionnaire, parce que ça prend moins de, de stockage, par rapport aux listes, les listes honnêtement, ça, ça demande beaucoup de mémoire, donc là au moins avec les, avec les dictionnaires, ça va plus vite, et ça permet de faire un truc qui est beaucoup plus trié. Euh, launch donc false. Donc comme j'ai dit en fait ici si on a déjà euh, lancé en fait le Q-learning, on va pas le relancer une deuxième fois. Parce qu'en fait j'ai mis une boucle run pour pouvoir en fait avoir la fenêtre qui s'ouvre en fait en permanence. Vous voyez euh, Parce que sinon c'est un problème de pagade. En fait ça va être instantanément quitter. Vous voyez, donc il euh, faut plutôt du coup faire comme ceci. Au moins vous avez la fenêtre qui est directement lancée. Et euh, elle ne quitte pas à moins que vous le disiez. Et ça, on l'avait déjà mis avant, on l'avait mis ici. Euh, parce que sinon en fait ça risque de, de planter si, euh, si vous la mettez euh, parce que là vous voyez on appelle notre fonction donc on a le while run ici ok mais ensuite une fois qu'on est là on appelle q learning on ne va pas tout le temps euh, parcourir en fait cette boucle on va d'abord faire tout ce qu'il y a dans cette fonction, puis ensuite on va sortir de cette fonction, on va aller là et on va recommencer, vous voyez. Donc en fait ça sera surtout vers la fin, quand on aura fini le q learning, ça évitera que la fenêtre crash, vous voyez. Ou que la fenêtre crash aussi... Euh... Est-ce que la fenêtre peut crash... Si on n'avait pas le while run, est-ce que la fenêtre pourrait crash euh, pendant qu'on exécute Peut-être. Je suis pas sûr. Mais là au moins on est certain qu'en fait la fenêtre va continuer à tourner, même quand il n'y aura rien qui sera changé à l'écran il n'y aura pas de problème et vous pourrez la fermer ici parce qu'il euh, y aura cette condition et ok on ne sera pas toujours à cette ligne de code mais honnêtement toutes les, les autres lignes de code sont super rapides à exécuter en fait donc honnêtement vous quand vous avez cliqué il va peut-être falloir attendre 2 secondes pour euh, même pas genre peut-être 0,1 seconde 0,5 secondes. Pour, vous rendre compte, pour que le programme se rende compte qu'en fait vous avez demandé de fermer voilà donc il n'y aura pas de souci là dessus voilà et donc du coup lunch, bah ouais on, on lance qu'une seule fois en fait le Q-Learning hein, comme ça moi on est tranquille et euh, voilà donc du coup on a fini avec euh, ce petit code, voilà. Donc euh, fait en moins d'une heure, enfin euh, un commentaire en moins d'une heure. Donc n'hésitez pas du coup à le tester, à le voilà, à, à tout modifier par vous-même. Et euh, du coup, bah voilà, vous pourrez du coup bien vous améliorer, bien le comprendre, bien modifier, ajouter de nouvelles features, modifier des trucs que j'ai mis euh, et plein d'autres choses. Comme j'ai dit, vous pouvez vous pouvez rendre, vous pouvez mettre plus dynamique. Hein. Vous pouvez mettre par exemple, comme j'ai dit ici, euh, à chaque voilà, à chaque euh, à chaque sous partie, à chaque je sais plus comment on appelle ça d'un épisode, mais ouais, chaque action, euh, vous voyez donc dans cette boucle, qui constitue un épisode en fait, donc euh, chaque sous-partie d'un épisode vous pouvez du coup animer aussi, le faire déplacer le, le food et l'ennemi. Ça peut-être marrant du coup à faire. Voilà. Donc après c'est à vous de voir, ça vous tester aussi les paramètres, comme j'ai dit, euh, la réduction de l'épsilon en fait. Donc ça va du coup influencer la balance exploration-exploitation. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'être le learning rate, le gamma aussi donc, le discount factor, euh, le nombre aussi de binning, parce que bah là, vous voyez que j'y restreins quand même pas mal. Je mets dans, dans 15 paquets. Euh, enfin, non, en réalité, j'en ai un peu plus parce que j'ai aussi, euh, euh, le, aussi les valeurs négatives. Mais vous voyez qu'en gros, du coup, j'ai 30 paquets, grosso modo. Et. Euh, bah, si j'en mets plus, évidemment que du coup ça va permettre d'avoir plus de valeur, ça va être plus intéressant. Mais après peut-être qu'un bon, moment bah ça va être ça il va y avoir trop d'informations, donc du coup ça va être un peu la merde. Bon après voilà, c'est à tester, à vous, de, à vous de voir. Voilà donc du coup moi j'en ai terminé pour aujourd'hui avec euh, ce petit projet. C'était bien sympa à faire. Euh, si vous avez des projets à me suggérer, ben bah, n'hésitez pas à me, à me le dire, je, je les ferai. Si vous voulez que je revienne aussi sur des explications euh, que vous n'avez pas compris, bah, dites-le moi. Et j'en ferai des vidéos. Euh, Peut-être que je reprendrai en commentaire, mais le truc, c'est que euh, les commentaires, en fait, des fois, c'est un peu comme les, les gens en, en cours. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un a une question, bah généralement il y a 10 autres personnes qui ont une question, qui, ont, qui se posent la même question. Donc peut-être que ce sera mieux de faire une vidéo. Et puis bah une vidéo, moi, ça rapporte un peu plus d'argent. <laughs> voilà, voilà le, le, le petit côté greedy révélé. Bon bref, non, plus sérieusement, ouais, si vous avez des, des problèmes, bah, dites-le moi. Et j'essaierai de trouver comment faire. Et après, si vous voulez aller plus loin, bah, sachez que j'ai du coaching aussi qui vous permet du coup de progresser beaucoup plus rapidement. Euh, parce que ça va être du one-to-one -one et je vais répondre à vos problèmes spécifiques et tout. Et du coup, bah voilà, les, les gens euh, que. Que j'ai coaché euh, sont très satisfaits et, euh, et du coup, comme ça, moins ils peuvent euh, s'améliorer beaucoup plus rapidement. Et peu importe votre niveau hein, que vous ayez fait, il euh, y en a que j'ai coaché, ils, étaient, ils avaient fini leurs études d'ingénieur, il y en a d'autres qui étaient encore euh, au collège ou au lycée, enfin il n'y a, a, a pas de souci là-dessus, on s'en fout du niveau. Euh, le plus important en fait, c'est euh, après, c'est développer de la stratégie pour aller le plus loin possible. Voilà, donc du coup, euh, je m'arrête ici pour de bon, euh, portez-vous bien et à une prochaine, salut!